Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. Vous savez que nous étions d'abord dans la première phase où nous étions en train de libérer les grands axes et les localités. Et la deuxième phase que nous avons commencé il y a deux semaines maintenant, c'était pour neutraliser, poursuivre cet ennemi que nous avons, poursuivre jusque dans son dernier retranchement et le neutraliser. Et nous avons commencé, comme je l'ai dit, nous avons commencé cette opération depuis plus de deux semaines. Et évidemment, nous avons récupéré quelques localités, à savoir Nyangaraï, Lopa, ainsi de suite, Lipri, ainsi de suite. Cet ennemi, comme nous avons commencé avec les groupes nationaux ici, à savoir le CODECO, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dans leur fuite, ils s'attaquent aux populations, ils s'attaquent à leurs biens, ils s'attaquent aux vaches, ils brûlent des maisons, ainsi de suite, parce qu'ils sont en position de faiblesse. Voilà un peu ce qui crée un petit désordre dans les alentours de Bounia ici. Et comme vous avez suivi la semaine passée, ils étaient à 10, on les a délogés. Donc ils font comme ça, ils vont déranger la population parce que ils sont vraiment maintenant traqués. Voilà un peu la situation que nous avons maintenant. Mais de l'autre côté, vers Boga et Tchabi, c'est calme. Komanda, vous venez de Komanda, c'est calme. Et pour la RN4, ces jours ici aussi, c'est calme. Mais sauf que depuis 2 à 3 jours, nous avons bloqué la circulation parce que nous avons la MONUSCO qui est en train de refaire la RN4. Parce que vous savez que c'est dans ces bourbiers-là que nous avions, qu'on avait tous ces embuscades, quoi. Voilà un peu la situation. Justement, aujourd'hui, nous revenons de Komanda, où nous étions là le week-end, à 75 km d'ici. La population est en train de revenir timidement. Elle hésite encore, bien qu'il y a la présence maintenant du RDC. Quel message pouvez-vous adresser à cette population, un message de réconfort pour que regagne cette cité? Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons nous battre qu'avec cette population. Si nous sommes accompagnés par cette population, et au demeurant, toutes les guerres, il faut avoir la confiance de la population, il faut être appuyé par la population, de la même façon que nous sommes en train de les protéger, ainsi de suite. Et donc, je demande à cette population-là de nous faire confiance, et je demande à cette population-là d'être avec nous, et de ne pas toujours avoir cette propension à vouloir quitter tout le temps qu'ils ont eu une attaque, de quitter la ville, de quitter la localité pour aller en brousse. Ça, c'est pas possible. Depuis, je pense que vous qui êtes là, qui êtes arrivé à Komanda, je crois que vous avez appris que jamais nos forces n'ont lâché Komanda. Jamais. Il y a eu deux incursions pendant 10 à 15 minutes et après nous avons chassé cet ennemi là-bas. Et donc quand on laisse une ville, quand on laisse une cité comme ça, non habitée, mais malheureusement cet ennemi en profite parce que là ils ont des repères, ils ont des endroits où ils peuvent se cacher pour encore nous attaquer et sécuriser cette population. Dieu merci, comme vous avez dit, nos forces sont là et elles sont en train de sécuriser la cité et donc la situation est calme. Et ça, cela vaut pour tous les Ituriens. Vous savez, maintenant que nous sommes en train de les traquer, toutes ces forces négatives, maintenant ces forces vont s'attaquer à la population. Alors il faudrait qu'ensemble on dise non. Et dire non, c'est quoi? C'est rester chez soi, être en communication avec l'armée, et appeler l'armée chaque fois qu'il y a des problèmes pour que nous puissions les bouter dehors. Parce que si on le laisse comme ça, nous sommes en train de les traquer. Ça va durer, parce que maintenant c'est la guerre. La première phase, c'était juste, comme je disais, les grands axes, les agglomérations, ainsi de suite. Mais ces voleurs-là, parce que ce sont des voleurs, c'est ça la vérité. Ils étaient là, ils profitaient, ils gardaient les mines des Chinois, ils
ils extorquaient sur les grands axes. Maintenant, nous les avons chassés. Ils n'ont plus un endroit d'où ils peuvent tirer de l'argent, ainsi de suite. Maintenant, ils sont en débandade, ils n'ont plus rien, et voilà, ils s'attaquent maintenant à la population, au bien de la population. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous soyons ensemble pour que, effectivement, l'information arrive à temps utile pour que nous puissions les suivre jusqu'à... Et ça ne va pas s'arrêter. On va les poursuivre jusqu'à ce qu'ils seront fatigués. Et jusqu'à ce que s'ils ne se fatiguent pas, ils seront neutralisés. Voilà. Aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a la MONUSCO en province de l'Ituri. C'est quoi le cadre de collaboration aujourd'hui avec la MONUSCO? Bon, nous avons une mutualisation sur le plan des renseignements, sur le plan de la logistique et aussi sur le plan des opérations. Mais sur le plan des opérations, nous sommes en train de planifier pour que d'ici là, effectivement, nous ayons vraiment des opérations de grande envergure avec la MONUSCO. La collaboration est très bonne, nous sommes tout le temps avec eux et nous faisons des échanges et je pense que d'ici là, même la population verra que comment est-ce que nous sommes en train de travailler ensemble. Ils pourront, n'est-ce pas, palper les résultats du doigt. Voilà. Tout au long de la route de Komanda, on a observé quelques déplacés qui sont dans des camps. Oui. Ils se plaignent de conditions humanitaires. Comment comptez-vous pallier à cette situation? Vous savez, vous dites tout au long de la route, là, mais si vous quittez seulement ici, vous arrivez à 30-40 km. Il n'y avait pas de population. À Marabo, quand nous sommes arrivés, à Marabo, à Nyakoundé, à Irumu, au territoire là où ils sont aujourd'hui, là où ils sont dans la chefferie, là où ils se sont réfugiés. Il n'y avait personne quand nous sommes arrivés ici. Nous avons sensibilisé cette population là-bas. Elle est rentrée. Mais il est tout à fait anormal qu'aujourd'hui, les gens de Komanda, vous savez, Komanda, c'était un grand centre qui accueillait tous les déplacés. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas seulement parce qu'on a attaqué, mais non. Il y a eu des gens de mauvaise foi qui ont fait filtrer des informations selon lesquelles il fallait qu'on s'attaque aux non-originaires. En fait, c'est ce qui a fait peur. En plus de ce que les enfants de Komanda là-bas, les FPIC ainsi de suite, se sont alliés aux ADF, en plus de ça, on a commencé à distiller des messages disant qu'ils vont s'attaquer aux étrangers. Voilà ce qui a fait que la population puisse prendre peur et aux non-autochtones, je veux dire. Et voilà comment est-ce que d'autres sont partis vers Mambasa, ainsi de suite. Et donc maintenant, là, ces populations qui sont à Irumu, territoire, ainsi de suite. Mais ce sont des gens qui doivent rentrer chez eux à Komanda. Komanda, c'est une grande agglomération. C'était vraiment une agglomération où on recevait tout le monde. Et aujourd'hui, ces gens-là vont à Irumu, alors que c'est à Irumu où il y avait la sécurité. Mais pourquoi est-ce qu'ils rentrent, ils vont là où les gens étaient déjà allés? Eux, c'était des déplacés. Mais ils ont pris leur courage, ils ont dit non, avec l'armée, nous allons rentrer, nous allons donner les informations, nous voulons rester chez nous. Et ils sont rentrés chez eux. Pourquoi les gens de Komanda ne peuvent pas faire ça? Parce qu'ils voient bien qu'ils sont, l'armée là, elle est présente. Et que chaque fois qu'il y a des combats, l'armée reste et jamais l'armée n'a abandonné, ne les a abandonnés. Excellence, le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion a un coordonnateur qui veut travailler surtout dans les deux provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Comment comptez-vous faire appliquer ce programme, surtout qu'on sait lorsque le rebelle se rend, ils ont des difficultés par rapport à la prise en charge. Comment vous allez collaborer avec le coordonnateur de ce programme pour qu'il soit pris en charge comme il se doit? Non, ici, monsieur le journaliste, il ne faut pas se tromper. Ici, à Ituri, les gens ne se sont pas rendus. Les gens ne se sont pas rendus. Peut-être un petit nombre ici à Boga, ainsi de suite. Là, à Boga, ce sont les ADF, les alliés des ADF, les Banyabouisha, là, qui rendent un peu les armes. Suite à la pression, on a eu plus de 30 armes qu'on a récupérées là-bas. Mais de l'autre côté, ici, avec les groupes armés locaux, ici, personne n'a rendu l'arme. Et personne n'a appuyé l'armée. Personne n'a appuyé l'armée pour dire, n'est-ce pas, à tous ces voleurs, à tous ces bandits là-bas, d'arrêter. Parce que quelle est la raison qu'ils peuvent donner aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils se battent? Pourquoi ils se battent?
à part voler, extorquer et tuer la population, détruire, incendier tout ce qu'on a comme bâtiment de l'État. Rien du tout. Ils n'ont aucune revendication. Et donc, nous, nous sommes là, nous allons mettre la pression parce que nous avons sensibilisé, ils n'ont pas entendu, nous allons mettre la pression et en même temps, nous attendons le PDDRCS dès qu'il arrive. Et bon, voilà, s'il y a d'autres à ce moment-là qui pensent, qui acceptent de se rendre, ok, tant mieux, ils seront encadrés. Mais aujourd'hui là, nous avons avec la hiérarchie, nous sommes permis à prendre, à récupérer tous ces gens. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui dit qu'il veut se rendre, nous allons chercher les moyens et pour qu'ils soient encadrés. Donc quand on vous dit que non, voilà, ils ne se rendent pas parce que le programme n'a pas encore PDDRCS, n'a pas encore commencé, c'est faux. Parce que s'ils viennent aujourd'hui, moi je suis quand même le représentant du gouvernement ici. Donc s'ils viennent aujourd'hui, je peux, j'ai les moyens, je vais commencer à les nourrir en attendant que le programme arrive ici. Donc moi je leur dis et je le répète, avant je leur disais seulement avec des paroles, je leur disais rendez-vous, nous allons vous encadrer jusqu'à ce que le programme arrive. Mais maintenant c'est fini, maintenant nous allons continuer à mettre de la pression pour qu'ils se rendent. Et ça va continuer. Qui ne pense pas que comme maintenant qu'ils sont en train de jouer un peu comme au chat et à la souris, ils pensent que non, ça ne va pas s'arrêter. Et j'ai dit depuis le début que nous allons monter en puissance. Qu'ils ne pensent pas qu'on s'arrête là. On va encore davantage monter en puissance et on va encore davantage mettre de la pression. Et qu'ils en soient vraiment sûrs, qu'ils soient sûrs que ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. S'ils ne veulent pas se rendre, c'est leur problème. Vous savez, quand nous sommes, depuis que nous sommes ici, vous savez, nous, en tant que militaires, nous avons ce qu'on appelle effort principal. Et notre effort principal, c'était la destruction de l'ennemi en ce qui concerne les groupes armés étrangers et peut-être sensibiliser nos enfants ici, les groupes locaux, pour qu'ils reviennent, n'est-ce pas, pour le DDRCS. Mais après, comme ils n'ont pas entendu, nous sommes obligés maintenant de les neutraliser. Et ça, c'était la première phase. Mais la deuxième phase, maintenant que nous sommes en train de faire les opérations, en même temps, nous nous sommes aussi penchés aux mines. Pourquoi ? Parce que ce sont ces mines-là qui donnaient de l'argent aux groupes armés, qui donnaient de l'argent à tout cela qu'il y a comme manipulateur. Et donc là, nous devrions faire des opérations simultanées, c'est-à-dire sur le terrain avec les ennemis, avec tous ces hors-la-loi, mais en même temps aussi entrer pour voir. Parce que depuis que nous sommes ici, les mines ne contribuent en rien dans le budget de l'État. En rien. Et voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes dit, la deuxième phase, nous allons nous attaquer et aux mines, et en même temps à l'ennemi, et en même temps aux hors-la-loi, qui sont les groupes armés nationaux. Voilà pourquoi, avec tout le monde, avec tous les services, nous avons décidé d'organiser des commissions qui descendent sur terrain. Et les Chinois, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, les Chinois ont demandé, ils se sont dit, ils vont se choisir aussi, n'est-ce pas, ils vont se choisir un délégué, un porte-parole, de sorte qu'ils participent. C'est-à-dire, quand nous allons descendre sur terrain, ils vont participer aussi pour dire, voilà, ces gens-là, ou dénoncer, si je peux dire. Voilà, ce sont ces Chinois-là qui n'ont pas de documents, ceux-là, et ainsi de suite. Donc, ils vont nous accompagner, ils vont nous aider. Parce que les Chinois ici ne sont pas identifiés. Vous vous rendez compte? La dernière fois, on a eu des Chinois ici qui sont morts. On ne sait pas qui ils sont. Si vous passez partout ici, vous posez la question, qui sont, que ce soit la DGM, la ANR, qui sont les Chinois qui sont sur terre? On ne connaît pas. Mais si vous y arrivez, vous serez très étonné. Des machines, c'est des centaines de machines que nous avons ici, de plus de 350 000 $ la machine. Ce sont des centaines qui sont à Mambasa, qui sont à Djouba, des gens qu'on ne connaît pas. Et les propriétaires, on ne connaît pas. Leur contribution, on ne connaît pas. Alors, ils ont dit ils veulent nous aider pour que nous descendions sur place pour régulariser tout ce qui se passe. Parce que même le chef de division des mines ici nous avait dit, nous n'étions pas contents, nous n'étions pas d'accord qu'on considère ces Chinois-là comme des coopératives.
C'est le chef de division des mines ici qui nous a dit non, avec la loi, nous pouvons les considérer comme des petites mines. Et ils vont régulariser leur situation. Voilà pourquoi est-ce que nous nous avons dit, ok, ça va, eux, ils ont un point focal, nous avons nos services, et ils vont commencer aussi à nous aider à identifier leurs frères. Mais malheureusement, nous avons constaté évidemment qu'ils nous ont donné deux, trois noms, et nous les avons dit, voilà, c'est eux qui vont organiser leur communauté. Organiser leur communauté. Mais malheureusement, je crois que ces choses, ma lettre a été mal perçue. Je pense aussi que la mauvaise information est partie d'ici, est partie des gens qui ne veulent pas qu'on organise les mines. Mais bon, très bien s'ils ne veulent pas qu'on organise les mines. S'ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Mais alors, parce que ça doit s'arrêter. Et je vous dis, je ne vais pas m'arrêter là-bas. J'ai dit, ok, vous ne voulez pas de cette mission? Ok, très bien. Que alors Kinshasa nous envoie sa commission. Hein. Que Kinshasa nous envoie sa commission. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que ces mines-là ont fait souffrir les enfants de l'Ituri ici. C'est à cause de ces mines là-bas. Si les gens perçoivent l'argent pour aller acheter les armes, c'est à cause des mines. Les Codeco qui étaient là, les Codeco étaient en train de protéger ces Chinois-là. Là où nous n'étions pas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ces Chinois-là, ils avaient des éléments de la police, ils avaient les éléments de l'armée. Comment est-ce que ces éléments sont arrivés là-bas? Il faut qu'on sache comment, qui a donné l'ordre pour que ces éléments soient sur terrain là-bas. Nous devons le savoir. Et nous avons dit, nous allons partir avec tout le monde ici. Tout le monde pour descendre, savoir ce qui se passe. Bon, ok, on a dit non, on ne peut pas. Maintenant, c'est à Kinshasa. Nous attendons cette commission. S'ils ne viennent pas, je vais le rappeler. Je vais le rappeler jusqu'au moment où je quitterai l'Ituri. Jusqu'au moment. Parce que il en va de la paix de cette province. Si nous ne connaissons pas qui sont ces propriétaires-là, de ces dragues-là, une machine coûte plus de 350 000 dollars. Si nous ne les connaissons pas, comment voulez-vous mettre de l'ordre ici? Ils ont créé des espaces de non-loi avec des gens qu'on ne sait pas contrôler et maintenant on veut le contrôler, ok. Si moi je ne peux pas le faire en tant que gouverneur, représentant du chef de l'État, du gouvernement, très bien, je le concède. Mais alors que Kinshasa envoie ses commissions et nous les attendons. Les enfants de l'Ituri ont les yeux braqués sur ça. Ils doivent, s'ils ne viennent pas, moi je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Et autant de fois qu'il le faudra. Voilà. Merci. Merci.